des problèmes familiales, ça peut être tout. Psychodio. Psychodio, c'est une émission Impulse Web Media potée pour vous, pour capable comprendre plus bien la réalité maladie santé mentale dans le pays d'Haïti. Psychodio, c'est une série contenu qui permet tout temps de reportage, interview, témoignage, partage expérience, assistance psychologique pour aider ou joindre solution à qualité problème ou gagner dans sa gain pour avec santé mentale. Ça fait dernièrement te font poste, me dit parler ou pas vraiment. Ak Psychodio n'a permet tout découvrir toute racine côté problème psychologique ou sorti. Pas oublier, santé mentale important même champ ak santé physique. Ou joindre émission Psychodio chaque vendredi avec animatel psychologue Jean-Pétuel Desrosiers. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi content avec nous pour troisième sortie Psychodio. Nous connaissons que c'est une émission qui là pour capable parler des causes sous question santé mentale en Haïti surtout et ouais qui ça que nous capable faire pour nous capable prendre soin santé mentale nous puis bien puis plus toujours. Alors je dis à Impulse Web Media gagne avec lui yon zami yon proche dans domaine psychologie qui c'est Wilner Cormier que nous gagne chance pour capable font ti bat bouche sur un sujet qui est assez important, qui est assez intéressant et qui à savoir qui différence qui gagne entre yon psychologue avec yon psychiatre. N'a venir tout de suite après pause en nous retenant Psychodio. Je suis content de retourner et sur Web Media ensemble avec nous pour l'émission Psychodio dans la troisième sortie. Alors, Wilner, comment santé mentale là? Psychodio. Bon, Petel, comment vous êtes? Je suis content, je dis à c'est moi-même qui invite vous pour nous faire battre bouche sur la question santé mentale que nous connaissons qui est très important dans la vie du monde. Parce que surtout dans le contexte actuel, nous-mêmes haïtiens, nous vivons dans un milieu qui est très troublé par la violence. Je pense que l'équilibre mental est très important. Et mon cher, je m'a fait effort, je m'a bien avec la santé mentale là. Et je demande tout le monde pour qu'il bien avec la santé mentale là. Même là, le milieu a vraiment et a pile agitation là-dedans. Mais la santé mentale là, il faut qu'il bien capable. Équilibré pour fonctionner normalement. Psychodio. Exactement. Dans jingle émission Psychodio, nous toujours dit dans fin, il faut qu'on capable prendre soin physico même gens avec santé mentale, faut qu'on prend soin santé mentale même gens alors prend soin et santé physique là. Et est-ce que très rapidement dans tête pas ou pensez que dans petit dialogue n'a fait là le a parlé de santé mentale, il y a X moun qui t'a supposé suivre un psychiatre, X moun qui t'a supposé suivre un psychologue. Alors, quelle différence qui gagne en réalité entre deux professionnels dans santé mentale ça? Bon, et bon, c'est ça, c'est un bagage important au fait là parce que porter psychologie a et by tout le monde porter discipline ça by tout le monde qui autrefois il était pensé c'est seulement un bagage élitiste lié et me penser nous supposer faire travail ça pour nous démocratiser question la psychologie parce que tout le monde qui a vivre depuis son être humain ou besoin psychologue ou besoin ou psychiatre ça va dépendre de qui problème et mental ou gain. Bon, là nous dit problème mental là étant donné n'a parlé pour tout le monde c'est ça nous relie dans langage pas nous question mon n'a gain maladie folie ou bien les faux. C'est très important parce que autrefois et même les gens qui ont un problème mental, ils ont une tendance pour ne pas aller où ils sont professionnels en santé mentale parce qu'ils ne connaissent pas vraiment différents professionnels qui gagnent dans la question santé mentale. C'est peut-être ça, et qu'on s'en parle carré pour avec la question là, question différence avec un psychologue, un psychiatre. Même les atouts m'a dit pas seulement gain des professionnels en santé mentale, gain psychologue, gain psychiatre, gain psychanalyste et en même temps gain psychothérapeute ouais. Et travailleur social tout, yo fait parfois tout qu'on fait des séances de psychothérapie. Donc nous capable considérer tout le monde ça yo comme des professionnels en santé mentale qui jouent grandement dans gérer équilibre et mental moun yo. Donc me penser et tout à l'heure, nous allons faire une différence nettement de professionnels.
D'accord. Bien content que vous avancez sous point comme ça, parce que tant que mon capitaine de yo là, yo gen plus éclairage sur question psychiatre avec psychologue là, les plus bon pour yo connait qui ça pour yo fait ou comme choix lorsque yo fait face à une difficulté. Et psychiatre là lui même en soi, est-ce que c'est un monde qui utilise des médicaments seulement, ou bien je ne parle pas d'utiliser des médicaments. Donc, comment capable de camper un monde qui est un psychiatre et en Haïti ou bien dans le monde là? Bon, et pratiquement, de manière générale, il y a une différence entre professionnels, entre un psychologue et un psychiatre, plus précisément parce que des saillants sont plus en vogue dans la question santé mentale là. Même la psychothérapeute, surtout dans une série de pays, sont très en vogue. Mais pour me parler de psychiatre là, un psychiatre c'est un professionnel, c'est un monde qui étudie médecine. C'est là qui finit étudier médecine, qu'on y a fini en psychiatrie là, il y a allé, il fait une spécialité en psychiatrie. Une spécialité en psychiatrie, ça m'a habilité pour capable traiter troubles mentaux. Là, me dit troubles mentaux là, mais tout le monde comprendre et maladie folio ou bien question pour agir sous sa relais moun fou. Donc psychiatre là lui-même j'aime ça dire c'est un monde qui fait études médecine ni li fini études médecine si c'est 5 ans ou bien 7 ans li fini cycle d'études là après ça li fait une spécialisation là il fait spécialisation là ça vient gain habilité pour li agir sur question santé mentale. Un psychiatre lui-même li traiter troubles mentaux, il fait diagnostic et puis tout il traite yo. Et psychiatre là lui-même il bail des médicaments. Il bail médicaments avec patient pour capable remédier avec situation problème les trouver là. Tandis que un psychologue lui-même c'est un monde qui allait qui étudie la une discipline qui est la psychologie pendant yon environ 4 ans, il finit étudier lui après ça li capable poser en tant que psychologue. Même psychologie à lui-même li c'est un bagage qui large, ou pas arrêter comme ça pour en dire ou c'est un psychologue parce que gagne ensemble des spécialités tout en dans la psychologie. Okay. C'est pour raison ça psychologie à lui-même est différent de psychiatre là, parce que psychiatre là lui-même il agit seulement sur trouble yo, sur monde maladie folie yo, tandis que psychologue là même psychologie a ou joindre dans toute et activité dans la vie courante. Par exemple, ou quand et psychologie dans sport, ou quand même psychologie dans la psychologie sportive, ou bien dans psychologie dans organisation, la psychologie organisationnelle, ou bien dans psychologie et dans question garder problème mental et tout. Par exemple, et psychologie a plus précisément lié à sur fonction supérieure, par exemple, intelligence et ouais. Attention, mémoire, tout ça, laisse ça nous plus stable parler sur neuropsychologie. Donc, et au jeune la psychologie, au jeune un psychologue de consommation d'eau, c'est-à-dire pour regarder le mode de consommation mon yo, au jeune psychologue social, pour regarder question qui Jean Mounio influencer une capable influencer l'autre dans milieu social. Mais psychologue lui même tout, il fait des séances thérapeutique avec des patients pour moun yo capable remédier avec situation problème yo. Mais bon, gen yon discipline spécifique qui fait ça. Par exemple, nous doit parler de la psychologie clinique. Ouais, puis devant nous va parler de plus loin, là nous va gagner un peu de temps. La psychologie clinique là lui-même qui pral déboucher tout sur la psychothérapie, qui pral censé on branche en psychologie clinique, même qu'on y a yo pas vraiment qu'à accepter psychothérapie comme on branche dans psychologie clinique, mais psychothérapie a tout entre la donne, même les permettre moun yo faire des séances psychothérapeutiques avec patient yo, mais lui-même est seulement basé sur une question dialogue. Un psychothérapeute pas ka bay et patient médicament. Ça veut dire question médicament li réservé pour psychiatre là. Donc dans ça ou montrer maintenant là, vous voulez faire me comprendre que c'est psychologue là avec psychiatre là, c'est deux bagages différents parce que premièrement, psychologue là, il pas bail médicament, mais psychiatre là même dit il bail médicament. Psychiatre là agit directement dans maladie de folio, mais psychologue là tout il cage dans maladie de folio, mais en même temps tout il agit sous d'autres paramètres qui constituent la vie mounan dans société. Regarde des questions adaptation, regarde des questions mémoire, regarde des questions intelligence, regarde des questions émotion yo, etc. En même temps tout permet moi découvrir tout que en dans psychologie, hein,
comme science qui a étudié comportement monde, c'est un domaine tout côté qu'on capable de plusieurs champs là-dedans, donc psychologie clinique ou sont parler là, psychologie des organisationnelle dans milieu du travail et psychologie consommateur et psychologie sociale, qui a regardé l'interaction qui existait entre monde avec groupe monde et question influence. Mais qu'on y a là, comme son podcast, nous pas grand pile temps et chaque thème où sont énumérés là aussi sur certains nap gain pour nous reparler sur d'autres émissions, sur d'autres numéros qu'a bien pour sortir sous dans Impulse Web Media avec émission Psychodio. Dernière question me pose parce que m'a pas bien beau trop, et est-ce que au monde, est-ce que le possible d'avoir au même et pour au monde capable suivre tous les deux en même temps, un psychiatre avec un psychologue à partir de un problème psychologique que le gagne. Psychodio. Très souvent, quand il y a son question de volonté, très souvent mounyo yo kon pas vraiment connaît à chaque problème yo, parce que la psychologie lui-même, pour me répondre question la psychologie, ou pas besoin malade pour aller au psychologue, tandis que psychiatre là lui-même il agit sur trouble, faut ou un trouble mental pour aller au psychiatre, et ça fait le psychiatre là fait traitement, il paye des médicaments pour permettre mon à remédier à situation problème, à situation pathologique qu'il trouve là. Même psychologue lui-même, c'est psychologue là agit dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Par exemple, on monde doit lever jodi a ou dit bon, on va essayer regarder équilibre mental, ou on va tisto ka psychologue là tout, ou elle font test mental, ou elle font test de personnalité, ou elle font test d'orientation professionnelle. Donc oui, on monde doit absolument un psychiatre, en même temps l'absolument psy. Pour qui ça? Parce que il doit essayer de regarder, il a fait un test d'orientation professionnelle, okay. Il fait un test de personnalité, donc ça n'a pas aucun problème à ça. Mais le problème qui se pose dans la société haïtienne, c'est la question de la vie prend place l'autre. Ouais, ça me joue là, par exemple, et très souvent, yo plus reconnaître psychiatre yo qui a fait travail sur question santé mentale. Yo ont des gens pas vraiment comprendre psychanalyste même qui utilise un cube psychanalytique que mon yo utilise très souvent avec Freud qui était pas développé discipline ça. Sur un divan, on va laisser étendre mon faire mon entrer en plus profond de lui-même dans subconscient pour capable remonter des problèmes pour faire surface pour essayer aider mon verbaliser. Donc et me penser il pas un problème pour on monde garder des professionnels ça ensemble, et ça ca utile tout pour permettre de garder faire une meilleure appréciation des cas pour voir qui exactement dans deux professionnels ça qui doit tendre mon nom bien qui doit voir mon nom, parce que patient lui même pour compte parler il doit avoir difficulté pour lui connaître exactement et problème ni gagnant qui est pour voir. Mais il ta supposé gagner en probité intellectuelle les et psychiatre là recevoir patient ça s'il veut cas ça pas vraiment un cas pour bailler mon dans médicament de référer la vers un psy. De même tout psychologue là gain doit faire ça, parce que si un monde gain niveau mon par exemple si maniaco dépressif, on a toujours besoin de cocktail d'abord pour laisser reprendre, donc on doit référer avec un psychiatre là pour capable et ouais problème ça. Mais pratiquement psychiatre yo bail médicament, psychologue ou pas bail médicament, mais la grande différence, psychiatre bail médicament, psychologue pas bail médicament, psychologue fait des psychothérapies. Et psychothérapie à tout, c'est une branche en psychologie, et psychothérapie après déboucher sur lui que moun sa reparle le psychothérapeute qui parle gain possibilité pour utiliser. C'est comme si c'est un aidant lui, ouais, li nan yon relation d'aide avec patient côté li préconiser la communication parole pour permettre moun nan remédier avec question et situation pathologique ou bien situation problème là, que nous capable parler plus devant sur différents types de psychothérapie et fonction et rôle psychothérapie, parce que dans toute société qui a développé kounya yo ba psychothérapie yon importance capitale et dans la vie tous les jours moun yo, parce que moun yo toujours al wè prendre des séances sur la psycho et psychothérapie brève. On connaît très bien ça en tant que psy, donc qui est vraiment utile pour mon yo capable d'orienter dans la vie.
Question équilibre mental là, c'est une grosse question liée dans la société nous en de nos jours et pas gain un monde qui a fait face à avec psychothé qui gain problème qui gain difficulté mentale qui pas besoin ou un psychologue ou bien un psychiatre dépendamment et me penser sur point ça n'a campé et m'a dit Wilner combien merci le fait que l'été accepté répondre avec deux trois petites questions tout petit sur question santé mentale mais surtout en rapport avec différence entre psychiatre et psychologue. C'est sûr que Wilner et prochaine fois nous allons ba on liste de cas et cas ça qui en rapport avec psychiatre, on liste de cas qui en rapport avec psychologue. Ça veut dire depuis mon nous gagner signe symptôme ça qui manifester là Kaili. Donc c'est sûr que la capable ouais, on psychiatre, la plus bon pour la loi psychiatre à partir de signe symptôme ça et si son l'autre qualité signe symptôme que gagner, la plus bon pour la loi en psychiatre ou en psychologue par la suite sous ça. Merci en pile Wilner Comier et son plaisir et me souhaiter prochaine fois m'a bien on sur panel là avec et dans émission Psychodio. OK, moi bien content et moi félicite tout pour et initiative ça prend pour porter psychologie à tout le monde parce que ça t'a dû fait longtemps ça. Moi pense ça c'est un bagage à féliciter parce que psychologie a été trop sous table, veut dire moun yo pas comprendre exactement ça qui psychologie, est-ce que yo gien droit pour aller un psy et est-ce que yo pas besoin malade pour aller un psy? Et ouais ça me dit là donc et me pense mission ça est très important parce que la permettre moun yo comprendre qui gens pour gérer santé mentale qui important même avec santé physique là très souvent des grands moun yo dit c'est l'esprit mène le corps donc ça a une gros portée psychologique là donc merci merci à la prochaine. Est-ce que des problèmes familiaux ça peut être Psychodio. Psychodio, c'est une émission Impulse Web Media portée pour vous pour capable comprendre plus bien réalité maladie santé mentale dans le pays d'Haïti. Psychodio, c'est une série contenu qui permet tout temps des reportages, interviews, témoignages, partage expérience, assistance psychologique pour aider aux joindre une solution à qualité problème ou gagner dans sa gain pour avec santé mentale. C'est ça fait dernièrement des fonds poste me parle ou pas vraiment. Ak Psychodio n'a permet tout découvrir toute racine côté problème psychologique ou sorti. Pas oublier, santé mentale ou important même gens avec santé physique. Ou a joindre émission Psychodio chaque vendredi avec animatel psychologue Jean-Pétuel Desrosiers.